commerce à l'opération, nous, déjà, il y avait 20 000 églises là-bas. Maintenant, là-bas, dans l'hôpital, j'étais dans une capacité que j'étais dans maintenant 20 000 qui en plus. Ça met 20 000 là, quand nous vous transférez dans l'hôpital INT, il permet de nous faire provision pour à peu près une cinquantaine de 20 000 qui nous déjà y a. Question de... Une cinquantaine de cas, c'est 20 000 qui est là en 20 ans à 60 ans. Et dans une dizaine de cas, qui est 20 000 qui n'a plus que 60 ans, et forcément une petite quantité de cas qui est 20 000 qui n'a moins de 20 ans. Alors tout ça là, les permet de nous guider que la majorité des 20 000, c'est 20 000 en 20 à 50 ans. Et ça 20 000 là, la plus 20 000 en fait, je la santé bien sûr, elle. Mais nous ne peut gérer ça aussi, nous vérité qui manière statistiquement, le 24 est distribué dans 20 000 qui est en cas positif. Ok, merci beaucoup. Donc voilà. Conférence de presse du docteur Kailish Jagatpal Michael. Donc, fin prend une question de la presse, fin prend une question de Top FM. Nous t'envoie trois questions parce qu'il nous trouve beaucoup d'idées internet, média comme ça, qui vous pose question là ou ça, vous pose question là ou ça. Mais Moses dit que sa question qui nous fait poser les circonscriptions 15, 16 et 17, mais fin pose lui comme ça. L'accès est interdit dans les circonscriptions 15, 16 et 17. Mais permettre le mouvement aller dans les supermarchés et autres dans les endroits concernés, est-ce que cela ne comporte-t-il pas un risque que les cas se multiplient au sein de ces endroits? Est-ce que le gouvernement étudie la possibilité de fermer tous les supermarchés boutiques, entre autres, et interdire totalement la circulation dans ces endroits à haut risque? Donc, c'est une question d'ordre sanitaire, mais c'est le DCP Jagou qui finit donc répondre sa question là. Maintenant, ça c'était une troisième question. Une question premier choix, première question que nous envoyé, c'était combien de vaccins avons-nous à ce jour et quels vaccins? Est-ce que des commandes ont été placées? Sinon, quand seront-elles placées? Donc ça c'était une première question. Une deuxième question, c'était il y a un grand débat à l'étranger concernant la vaccination des frontliners pour l'AstraZeneca. Plusieurs pays ayant même déjà interdit ce vaccin. À Maurice, qu'en est-il? Donc, c'était nos trois questions qui nous étaient posées. C'est la troisième question au niveau des circonscriptions 15, 16 et 17 qui finit pris et répond par le DCP Jagro Michael. Sinon, concernant le nombre de cas, nous trouvons que les statistiques qui finit annoncé, ce sont les statistiques donc de ce matin, parce que si on ne va pas tromper, le docteur Jagatpal, il dit hier soir, il y a 99 cas. Vous pensez que les résultats des autres tests qui ont été effectués est toujours atteint sa bonne résultat-là. 43 cas l'est confirmé ce matin suite aux résultats qui finit faire donc hier. Et que ban test qui finit faire aujourd'hui, je ne connais pas l'infini qui a eu ce résultat parce qu'il n'a pas fini dire, pas fini faire le breakdown. Comment tu peux faire l'année dernière que Diaou qui ne fait tant quantité de tests aujourd'hui, ce jour, et ne finit donc 0 cas ou bien tant quantité de cas. Ça va dire. In Diaou, il fait, je crois, quelques 11 000 tests, Michael. 11 649 tests. Et nous avons dit vendredi dernier. Donc, dans ces 11 649 tests, il y a 99 cas positifs. Nous ne connaissons pas ces 11 649 tests. Est-ce que c'est à hier soir? Et est-ce qu'il y en a d'autres tests qui se sont ajoutés aujourd'hui et qui pour ce résultat peut toujours être attendu et pour donc communiquer plus tard? Nous pouvons toutefois essayer de l'attacher de presse au niveau du ministère de la Santé pour qui éventuellement nous capables confirmer cela, est-ce qu'il y a des résultats qui sont attendus et qui communiquent les résultats plus tard ou bien l'urban test qui nous fait aujourd'hui dans zéro cas. Donc il y a une petite ambiguïté qui nous pouvons confirmer, Michael. C'était une conférence de presse en même temps pour faire une sorte de comparaison, ce qui peut arriver l'année dernière et ce qui peut arriver cette année-là. Et que le docteur Jagatpal finit comme ça qu'il nous a une meilleure capacité d'effectuer des tests cette année-ci par rapport
aux années dernières au-dessus de 1000 chavannes. Effectivement, donc c'est à Pouma qui capacité testing fait augmenter et qui actuellement les autorités capables de faire 10 000 tests par jour. Bon, c'était une conférence de presse pour essayer autant que possible rassurer Bandimoun parce qu'il nous rappelle donc à 99 cas, mais quand les agafales me dire qu'il y a 3 clusters et donc qui ça 3 clusters là, il appelle les clusters Sourac, que tu es dans 17 cas, cluster.